Salut à tous, bienvenue dans le spot et bienvenue à Val Thorens. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de la station la plus haute d'Europe, une première visite aérienne avec le paramotoriste Tim Green et ensuite une visite à ski avec le freerider Thomas Dieth. Un beau programme, tout de suite le sommaire. Perché à 2280 mètres d'altitude, Val Thorens domine sur la vallée des belles villes, une station pour une infinité de possibles, des centaines de kilomètres de pistes sur le domaine des Trois-Vallées, un départ de hors-piste sur la Tarentaise, la Vanoise et la Maurienne. Élue meilleure station du monde pour la quatrième fois, Val Thorens cache bien des merveilles. Ouverte de novembre à mai, la plus haute station d'Europe sur le plus grand domaine skiable du monde offre une multitude d'ambiances. Aujourd'hui dans le spot, on vous emmène à la découverte de la station savoyarde avec le paramotoriste Tim Green. Après avoir voyagé dans le monde entier, il a fait de Val Thorens son home spot hivernal. Pour la suite, c'est l'enfant du pays, le freerider Thomas Dieth, qui prendra le relais. Et pour commencer, quels sont les prochains rendez-vous de la outdoor? C'est l'agenda. Un mois de mars bien chargé après l'Andorre. Le week-end prochain, les riders du Freeride World Tour prendront la route pour l'Autriche. Dernière étape avant la grande finale à Verbier. L'étape sera à voir en intégralité sur Trek. En attendant, revivez sur votre chaîne tous les temps forts du stop en Andorre, vendredi 9 mars à 18h. On change de largeur au patin du 14 au 17 mars. Rendez-vous à Arèche-Beaufort pour la 33e édition de la Pieramenta, la course de ski alpinisme de tous les superlatifs. Le spot sera sur place pour vous faire vivre au mieux cette ambiance unique à Arèche-Beaufort. Du freestyle à présent, de retour des JO, les skieurs de Halfpipe prendront la direction de Tim pour l'Open Freestyle Tour, finale de la Coupe du Monde de Halfpipe du 18 au 22 mars, un passage obligé pour le spot. Enfin, une fin de mois en apothéose avec le Super Slalom le 31 mars à La Plagne, la course la plus longue du monde, une compétition populaire, fédératrice, amicale, festive, ouverte à tous les skieurs et un casting multigénération de skieurs de haut vol, toutes disciplines confondues, ski alpin, ski freestyle, ski cross et freeride. Rendez-vous le 31 mars dans le spot. Un peu de chaleur pour le mois d'avril. Après une première édition au Pérou, le Marathon des Sables revient dans son berceau natal pour la 33e édition au Maroc du 6 au 16 avril. De la Californie à Jersey à Val Thorens, Tim est un aventurier insatiable. Des aventures et des passions qu'il partage avec sa famille. On découvre ça tout de suite avec quelques images du projet Discovering Adventure. On le retrouve juste après. I think when you're doing what you love to do, you really cherish every moment that you have. And to share that with my family just makes it that much better. Told him specifically, do not take Isabel sky camping or flying. Yeah, you walk very careful.
After a bit of discussion, I got full support for the next adventure with Isabel. I said no. She's 4 and it's freezing. Dad, yeah? I'm freezing cold. Go to Norway just because, you know, there's the freedom to explore the mountains and the sea and the air. Okay, let's go. She's learning. They'll help her get to where she wants to go. And she gets to find out what she's capable of. You know, whether it's learning to paraglide or skidding up a mountain, these are the tools to help you explore and experience what's possible in life. Retour sur Val Thorens, Tim nous a donné rendez-vous directement à l'aire de décollage à l'arrivée du télésiège de Moutière. De là, nous sommes partis pour un vol d'une trentaine de minutes au-dessus de la station. Un moyen original pour découvrir le domaine et des sensations garanties. Merci pour ce beau vol au-dessus de Val Thorens. Ouais. Dans des belles conditions. Ouais, c'était sympa. Hein. C'est avec le soleil, on peut pas faire mieux. Et puis, c'était bien chouette de voir la station, de voir ce domaine du dessus. Toi, tu me disais, ça fait quelques années déjà que tu es sur Val Thorens, que tu voles à Val Thorens. C'est un terrain de jeu extraordinaire pour toi. Ouais, c'est génial. Bah, j'ai trouvé cet endroit il y a quelques années avec mon pote. Mmh. Et qui habite sur Val Thorens. Et puis j'y trouve c'est génial avec la neige et le soleil pour peut-être pratiquer un petit peu de permoteur. Et j'étais un peu de. Je ne connais pas d'autres personnes qui font cette activité dans les Alpes. Et je trouve super bien de mettre les skis sur le pied, la machine derrière. Et en décolle, vraiment, ça donne l'esprit de vol. Mais les pieds qui quittent le sol, c'est vraiment magique. Et on peut vraiment s'approcher très proche du relief. Ouais, ça c'est l'avantage. On vole dans des conditions très stables, très calmes. Donc ça m'a permis de voler au-dessus des sommets et puis voler proche des choses pour regarder un peu l'endroit super joli. Et aujourd'hui, tu nous disais, il y avait un petit peu de vent en altitude, donc on n'a pas pu aller vraiment voir de tout là-haut ce qui se passe. Ouais. Mais sinon, dans des conditions très calmes, quand il n'y a pas de vent, tu peux vraiment aller jouer sur les crêtes. Oui, exactement. Ouais, j'avais des, tous les ans, j'ai fait des vols mais magnifiques avec des aiguilles. Et puis on voit tout le parc national de la Vanoise qui est sauvage, super joli. Et puis la station de Val Thorens sur un autre côté. De temps en temps, comme on est à 2008,
Et puis là, on décolle à 2003. On est assez haut, donc on a toujours du vent qui peut arriver. Donc de temps en temps, il faut rester un peu bas ou un peu haut. Et puis voilà, on s'adapte un peu avec les conditions. Moi, je suis curieuse, ça a une autonomie de combien de temps par un moteur, avec en moyenne? L'autonomie de supermoteur, c'est vers 3 heures. D'accord. Donc avec un plein de descente, on peut voler 3 heures. Ça dépend aussi le poids du pilote, du passager, aussi l'altitude. Oui. Mais voilà, après, bah, moi, je trouve 30 minutes, c'est super bien pour une initiation. Oui. Après, je peux bien sûr voler plus longtemps et aller un peu plus loin pour vraiment voir tous les trois valises. Mais 30 minutes, c'est sympa pour juste un premier vol. C'était parfait. Merci beaucoup pour cette belle expérience. Bonne continuation à toi, bonne saison. Merci. À très vite. À bientôt. Merci Tim, on va aller rejoindre nous, Thomas, pour aller découvrir le domaine, mais cette fois-ci à ski. Après cet envolé, place au ski, nous nous sommes dépêchés de rejoindre Thomas Diette, direction le refuge du lac du Loup, petit paradis des randonneurs et des freeriders. Allez, c'est parti! Thomas, où est-ce que tu nous as emmenés? Dis-nous tout. Eh ben nous voilà au refuge du lac du Loup. Refuge du lac du Loup dans la vallée des Belles-Villes, au pied de Val Thorens. On est à 2000 mètres d'altitude. On a un des plus grands lacs naturels qu'on ait dans le coin, qui est au pied du refuge. L'ancien refuge qui est sur la gauche, le nouveau refuge qui a été refait cette année sur la droite, qui est devenu un refuge hivernal, puisqu'apparemment on pouvait dormir ici que pendant la période estivale. Et maintenant avec le nouveau refuge, on peut dormir là pendant la saison d'hiver. D'accord. Et on se retrouve au pied d'un hors-piste magnifique, qui peut arriver de la cime Caron, donc à 3200 mètres, donc ça fait quand même 1200 mètres déjà dénivelé pour venir là, ou alors de Boimain, qui part à peu près de 2800 mètres. Ok, là c'est vraiment ton terrain de jeu. Et là c'est mon terrain de jeu, voilà, c'est un terrain super, parce qu'on a différentes expositions, on a différentes pentes, donc on a un peu du raide, du moins raide, et donc forcément, bah, en fonction des journées de l'hiver et comment ça a soufflé, on a plusieurs orientations et plusieurs possibilités de ski. D'accord. Et sur Val Thorens, y a donc ce spot. Sinon, toi, t'aimes aller jouer où? Ce que j'aime, on va dire, le plus, bien sûr, ça sera les aiguilles de Péclet. Les aiguilles de Péclet, c'est vraiment le sommet de Valto qui culmine à 3500 mètres. Et donc là-haut, on a des couloirs engagés avec le Roc des Saints-Pères, avec la face ouest, qui est assez dominante. Quand on arrive sur Val Thorens, c'est vraiment la montagne qu'on voit en face de nous. Et c'est le terrain de jeu pour nous, les locaux, pour les jeunes d'ici. Mais quelque chose, on va dire, déjà d'un peu engagé. Sur le truc un petit peu moins engagé, bah, du coup, on va venir sur les lacs du Loup. Et puis, en plus de ça, on a le refuge en bas qui nous accueille pour manger pour un petit morceau et tout ça. Et donc, c'est formidable. Toi, t'es de Val Thorens. T'as grandi, t'as appris à skier à Val Thorens. Ouais, exactement. Tu t'es fait ici. Je me suis fait là. J'étais à l'école primaire avec... à l'époque, on était 15-20 dans toute l'école. Et maintenant, il y a 150 petits. Donc, ça a vraiment grandi, Val Thorens. À l'époque, nous, c'était un petit village. Ouais. Et maintenant, on a le sentiment que ça devient une ville qui grandit d'année en année. On te connaît beaucoup pour le freeride. Quel est ton parcours un peu dans le ski avant le freeride? Tu as tout de suite voulu faire du freeride ou t'es passé? Non, pas du tout. En fait, comme tout le monde, bien sûr, à la base, j'étais un passionné du ski avant tout. Et puis, j'aimais beaucoup l'alpin. Et du coup, je me suis fait avec l'alpin. C'est comme ça que j'ai acquis un niveau technique. Et derrière, étant donné que j'adorais sauter, j'adorais vraiment les figures et je rêvais de tous ces gars à l'époque, du Marlboro Ski Show qui était à l'époque qui passait chez nous, ça me faisait rêver. Et du coup, je suis parti petit à petit dans le freestyle et dans le freeride. Et Val Thorens, donc la station la plus haute d'Europe, et donc aussi une ouverture, une grande période d'ouverture. C'est une des premières stations à ouvrir dans les Alpes françaises, une des dernières à fermer. Tu peux nous en parler un petit peu? Du coup, il y a plein de possibilités. Il y a des équipes, notamment pour le freestyle, qui viennent sur le parc en début de saison. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la pleine période d'hiver de Val Thorens? À Val Thorens, on a de la chance d'avoir de la neige donc du début à la fin, donc vraiment à partir de début novembre jusqu'à mi-mai. On a vraiment des conditions d'enneigement qui sont optimum et qui permettent, avec l'équipe du snowpark, de créer un snowpark pour fin novembre, début décembre et d'être le premier en France où les équipes nationales et toutes les équipes sponsorisées, tous ces jeunes talents, vont pouvoir s'exprimer et s'entraîner pendant un mois prématurément des autres stations. D'accord. Et ça va vraiment leur donner un petit plus, puisque si ce mois que leur offre Val Thorens, c'est le mois également qu'ont les autres athlètes américains
et canadien. Donc c'est important qu'on arrive à se tenir à ce niveau-là. Très bien. On va profiter du refuge pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis on continuera à découvrir et ben avec plaisir. Son terrain de jeu. On va aller voir qu'est-ce que nous a préparé Alexandrine. Toc, toc, toc. Made in Val Thorens, Thomas Diet à Cabichon a marqué l'histoire du freeski. Avec son frère Antoine, ils ont fait preuve d'imagination et d'audace pour l'évolution du sport, inspiré notamment par leur jardin enchanté de Val Thorens. Là, ça me fait mignon, là. Yepa. Là, on a une vue incroyable, un panorama incroyable à 360 degrés sur les Alpes. Parce que même si on est qu'à 3230, autour de nous, on n'a pas beaucoup de sommets qui sont plus hauts que nous. Donc on a vraiment le sentiment d'être au-dessus des autres. Il y a un horizon. On a un vrai, voilà, on a un vrai sentiment d'être au-dessus. Ouais. Alors que par exemple, les aiguilles d'Arc sont plus hautes, il y a plein de montagnes qui sont plus hautes. Mais avec la distance, on a l'impression d'être plus grand. Donc là, on a une vue incroyable sur la vallée des Belles-Villes, donc la première des trois vallées, tu vois, la vallée d'Aurel, de la Maurienne derrière, la vallée des Belles-Villes, la vallée de Méribel qui va se dessiner derrière la première crête ici, et la vallée de Courchevel, où on voit apparaître là-bas le pic de la Solière, le pic de la Solière un peu plus noir, là c'est Grande Roche, et bien derrière ça, c'est la vallée de Courchevel. Donc les trois vallées, vraiment, en sachant que Courchevel, là on voit l'entrée de la vallée de Courche, on peut aller skier encore loin derrière, là-bas jusqu'à Morion, et tout ça, donc ça fait quand même un gros panel de ski. Si on reprend Aurel et la descente à Aurel, là quand on va descendre là-bas en bas, on a plus de 2000 mètres de dénivelé, 2200 et des patates, et c'est, ça fait partie quand même des gros runs de France. Ouais. Non, mais du coup, de Aurel à Courchevel. D'Aurel à Courchevel. T'es vraiment sur le domaine des Trois Vallées. On est sur le domaine des Trois Vallées. On va parcourir peut-être 30 ou 40 km, mais on va jamais prendre la même remontée mécanique. Et c'est ça qui est intéressant dans un ski comme ça, c'est de pas tourner sur un endroit, de découvrir, de se balader, de se promener, de voir les montagnes. Et c'est pour ça que les Trois Vallées sont les Trois Vallées. Du coup, là, on a les pointes, la pointe et les pointes Rénault en face de nous. Là, c'est la pointe du Boucher sur la gauche, qui était un itinéraire hors-piste auparavant, qui se méritait, ça demandait quand même une bonne marche à pied et tout ça pour y venir. Et maintenant, on a créé le télésiège du Boucher, qui arrive même 20-30 mètres plus haut que ce qu'on est là. En travers, tu peux voir les deux câbles là, ils ont créé une tyrolienne qui, plutôt que de faire la piste pour rejoindre Val Thorens, ben, c'est possible maintenant de se déplacer sur le câble en tyrolienne pour rejoindre Val Thorens et retourner dans la station. D'accord, c'est original. Et c'est assez magique de faire une tyrolienne comme ça sur... T'as à quelle hauteur, sur 2 km, il y a plus de 100 mètres de haut. C'est, ouais, il y a du gaz. Ça fait quelque chose, moi je l'ai fait une fois ou deux, c'est vrai que ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Thomas, on termine ce numéro consacré à Val Thorens, à ton chez-toi, ici, à plus de 3000 mètres, à la frontière entre la Maurienne et la Vallée des Belles-Villes.
Merci beaucoup pour cette belle balade. Mais avec grand plaisir, Mathilde. Et comme tu peux le voir, le domaine, il est énorme et c'est pas forcément en une journée, même une semaine qu'on pourra tout faire. Donc je t'invite à revenir chez moi, me voir et je t'emmènerai pour faire plein de trucs nouveaux. Et bon ride à tous en tout cas. Et je reviendrai avec plaisir. Merci à toi encore. Merci aussi à Team Green. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Trek. À la semaine prochaine dans le spot.